reste au vieux. Pour pas aller bosser, pas besoin d'être vieux. La retraite à 20 ans, ça vient d'être voté par le gouvernement. Vive le président de la République des fainéants. Juste après le mois d'août, faudrait le mois de juillet. Et après le mois de juillet, ça reçoit le mois d'août. Les vacances à perpète, avec nos petites poulettes. La pelote, la pétanque et la pêche à la ligne. Voir pousser nos enfants et voir grandir nos vignes. Qu'est-ce que ce serait chouette. Et vive la retraite. Demain on reste au lit. Oh oui. À se faire des bisous, à se faire des guilis. Demain on reste au vieux. Pour pas aller bosser, pas besoin d'être vieux. La retraite à 20 ans, ça vient d'être voté par le gouvernement. Vive le président de la République des fainéants. Comme il n'y aurait plus personne pour visser les boulons, il n'y aurait donc plus personne pour construire les canons. La détente à perpète, qu'est-ce que ce serait chouette. Partirait le week-end du lundi au dimanche. Il n'y aura plus de bouchons sur les belles routes de France. Qu'est-ce que ce serait chouette. Et vive la retraite. Demain on reste au lit. Oh oui. À se faire des bisous, à se faire des guilis. Demain on reste au vieux. Pour pas aller bosser, pas besoin d'être vieux. La retraite à 20 ans, ça vient d'être voté par le gouvernement. Vive le président de la République des fainéants. Demain on reste au lit, à se faire des bisous, à se faire des guilis. Demain on reste au vieux, pour pas aller bosser, pas besoin d'être vieux. La retraite à 20 ans, ça vient d'être voté par le gouvernement.